Suis-je le seul Québécois qui produit du contenu F1 sur YouTube? Eh bien bonjour, ici Cornet 1991 et aujourd'hui je décide de faire une vidéo spéciale et répondre à l'une de mes questions. Suis-je le seul Québécois qui fait du contenu de F1 sur YouTube? Je ne parle pas ici des radios ou des chaînes télévisées, mais bien d'individus comme moi qui le font par passion et non nécessairement par profession. J'ai donc inscrit dans le moteur de recherche YouTube F1 Québécois et voici ce que j'ai trouvé. Formula One, Racing Station, Herbie.tv, QUB Radio, Archive RC, Radio-Canada Sport, Radio-Canada Info et boum, me voilà. Toutefois, j'ai vu aussi la section Shorts et il y en avait deux qui semblaient être Québécois et c'est le cas. Je parle ici de la chaîne Essai Libre qui compte à ce jour 805 abonnés. C'est surtout des échanges sur la Formule 1 et après avoir écouté quelques-unes de leurs vidéos, bien je dois vous admettre que c'était fort intéressant puis c'était amusant. Je vous recommande donc de vous abonner à leur chaîne et de suivre leur contenu. Ensuite, j'ai découvert F1 Podcast, 90 abonnés, 28 vidéos, mais plus de 28 000 vues. La chaîne est récente, datant du 29 avril 2023. C'est principalement un balado de Formule 1 qui met de l'avant la F1 et les épisodes sont aussi disponibles sur Spotify. Alors allez jeter un coup d'œil. Eh bien, en continuant ma recherche, Canal Plus Sport, Archive RB, je suis retombé sur les mêmes créateurs de shorts. Le François Pérusse, sa libre sort qui nous parle de son expérience Jeep Explorer, ça continue et honnêtement, ça y va en se détériorant. Même F1 à la loupe est enfin une chaîne française et non québécoise. Elle ne fait pas partie alors de ma priorité aujourd'hui. J'ai ensuite essayé d'autres termes dans le moteur de recherche YouTube comme Formule 1 Québec, F1 QC, F1 24 QC, Formule 1 2024 QC et j'en passe. Mais ma seule et plus grande découverte, c'est la SFTV. C'est du sim racing depuis 2008 et leur contenu est juste écœurant. Leur championnat F1 LAS eSport est visuellement et en tout point très professionnel. Des analyses, des commentateurs, des graphiques personnalisés, 449 abonnés, mais qui devraient être beaucoup plus haut pour une chaîne de cette qualité. Toutefois, leur dernière publication de Formule 1 date il y a 7 mois et c'est un championnat Series Porsche eSport Canada qui nous est offert récemment. Je vous invite donc à aller vous abonner à cette chaîne, du contenu d'excellente qualité et beaucoup de travail sur chaque vidéo publiée. D'ailleurs, chaque chaîne que je vous ai présentée depuis le début de cette vidéo, bien je me suis abonné également. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je t'invite à faire de même. Si tu ne sais pas d'ailleurs ce que je fais comme contenu F1 habituellement, bien c'est des séries du jeu F1 24 en ce moment, mettant toujours en vedette des personnages. Pour ma carrière F1 24, je pense à J'en ai marre, pilote de chez As comme recrue vedette, alors que pour mon My Team, c'est Kelly Brown qui pilote chez Cornet Racing Team. Deux séries qui sont présentement différemment construites et qui vont te divertir, ça c'est certain. Mais bon. Pour revenir à la question initiale de cette vidéo, suis-je le seul Québécois qui fait du contenu de Formule 1 sur YouTube? La réponse est oui et non. Tout dépend des perspectives, mais non, je ne suis pas le seul pour du contenu général de Formule 1. Toutefois, oui, je suis le seul en ce moment qui produit des séries du jeu F1 24. Oui, oui, juste du jeu F1 24. Mais bon, la vérité est que il y a peu de Québécois qui ont produit du contenu de Formule 1, et c'est dommage. Beaucoup de Français comme Hydro, Bigood ou Kellon font du contenu similaire à ce que je fais. Chez les anglophones, on peut pas oublier Arava, Matt212 et Sue. Sur ce, ma recherche est terminée. Si vous connaissez des youtubeurs québécois que je n'ai pas nommés et qui présentent de la Formule 1, s'il vous plaît, écrivez leur nom dans la section des commentaires. Il me fera une joie de les découvrir. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de cliquer sur le pouce bleu si tu as apprécié la vidéo. Fais sonner la cloche pour ne pas rater mes prochaines publications. Et sur ce, je vous dis ciao, ciao, les cornets.